Doctor. Salut les stars! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection Xbox One sur la chaîne de Kevin, de René. Stop! Ah bon? Bah ouais, t'as oublié ton cadeau d'anniversaire. Ah oui. Voilà. Voilà, j'ai un petit cadeau pour ton anniversaire, oui, parce que son anniversaire est passé. Tu racontes, c'était quand? Oui, c'était le 13 juin, j'ai fêté mes 29 ans. Voilà, 29 ans de conneries, voilà. 29 ans. Oui. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir de te voir. Et du coup, bah, je vais lui offrir son cadeau. Voilà. Donc tu vas pouvoir le voir en vidéo. Oui. Bien évidemment, il va présenter sa collection, mais je pouvais lui offrir son cadeau en vidéo. Comme ça, en même temps, bah, il verra la réaction. J'ai dit, il verra la réaction. Oui. Je voulais dire, vous verrez sa réaction et lui, bah, on découvrira en même temps. Oui. Parce que je sais toujours pas quel si jeu. Si c'est un jeu de merde ou un bon jeu. Voilà. Et du coup, bah, ça sera un jeu en plus à rajouter dans sa collection. Bon, du coup, bah, ton cadeau, il est dedans. Voilà. Donc, bah, je lui donne et puis bah, c'est parti. Voilà. Donc nous allons voir si Guillaume va aimer. Ou pas. Faut que j'arrête de taper Guillaume. Attention. Attends, fais du suspense quand même. Sors-le mais délicatement, voilà. Sensuellement. Avec beaucoup d'amour et de délicatesse. Et Gears of War 4. Voilà. Alors? Ouais. C'est un bon jeu de merde. Hein. Non. Et du non, coup, c'est voilà. Un très bon jeu. Gears of War 4. En plus j'en ai fait aucun en vrai. Ouais, donc coup, là, je vais pouvoir découvrir la licence et puis pouvoir même faire les 3 autres sur 3-6. Oui, voilà. Et du coup, bah. Donc, oui, je suis content de. Est-ce que t'as vu l'intérieur? Non. Ah oui, j'ai pas vu l'intérieur. Voilà. Voilà. Très bon jeu. Donc, du coup, on va vous collector. Montrer. Donc, Gears of War 4 hein, sur Xbox One avec la voilà. Notice. Donc, complet. J'étais content quand j'ai vu ça. Du coup, je me suis dit, il était complet le jeu. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Et comme ça, bah, Guillaume, il a de quoi faire. J'avais mis dans une autre boîte, il est là le Gears of War 4 quand même. Eh, tu gardes pas le CD dedans? Tu l'enlèves? Voilà. Là, voilà. Là, t'as le jeu dedans, là. Voilà, en plus, regarde avec la avec notice. La notice. Il était complet, hein. Voilà. Complet. Vu que maintenant, on fait plus des notices comme avant. Voilà, bah, voilà. Du coup, je lui en ai fait une maison. Voilà. Et du coup voilà, donc on va pas perdre plus de temps, maintenant il va montrer sa collection, donc déjà bah, tu peux commencer par le Gears of War 4. Bah déjà le Gears of War 4 comme vous l'avez vu, hein, voilà. Que je viens de, bah, d'avoir. Et voilà. Donc ouais, donc t'en as fait aucun? Ouais non j'en ai fait aucun. Alors le mieux c'est que tu commences quand même dans l'ordre. Oui. Après moi j'ai pas fait le 4 encore, donc du coup je peux ouais. Pas savoir s'il a suivi des 3 premiers. Des fois ça arrive que ça ne suit plus, mais bon quand même vaut mieux qu'il commence par les 3 premiers déjà pour comprendre un peu le système de jeu. Et après, pourquoi pas faire le 4, sachant qu'en plus il prend 100 gigas sur la Xbox One. Donc, On va commencer avec le PES 2016. Parle plus fort. C'est un jeu de foot, hein. Ouais. Tout le monde connaît, je pense. Et alors pourquoi t'as pris ce jeu, dis donc? Parce qu'il était pas cher, sûrement. Après, je suis pas très fan de jeux de foot, mais. Moi, j'ai, jeu la... de foot, comme moi j'ai la bonne excuse du full set. Voilà. Donc, comme moi, non. Voilà. Donc voilà, un PES 2016, hein, je présente plus. Ouais, voilà. La concurrence de FIFA. Après ensuite, bah, j'ai le pack mais j'allais pas l'emmener parce que ça prend de la place. Voilà. C'est le Skylander Supercharger. Là je l'ai pas testé. De toute façon les Skylander j'en ai testé aucun. Je sais qu'on a plusieurs. Je sais pas ce que ça donne en vrai. Après pour ceux qui n'avaient pas vu, on pourra vous remettre dans la description la vidéo de son ancienne collection Xbox One. Oui. Parce qu'il y a des jeux qu'il ne possède plus parce que bah, il les a revendus pour acheter des jeux PS4. Voilà. Donc si vous voulez voir les petites différences, là je peux donner un exemple. Par exemple, il avait Saints Row 4 avec l'extension oui. Get Out of Hell dedans. Bah, par exemple, celui-là il l'a plus. Mais par exemple, bah, il a des jeux comme bah, Gears of War 4 voilà. Qui rentrent dans sa collection. Ensuite, bah, ensuite on passe avec... Le Battlefield Hardline. Celui-là, je l'ai testé mais sur PS4, j'ai avancé un peu, ça reste un bon jeu solo. Je l'ai même pas fait moi. Ouais, ça va. Après, l'histoire c'est bien foutu je trouve, dans celui-là, le scénario. Moi je l'ai pas fait, après je sais que faudrait que je le fasse.
Après, c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de jouer à tout, Oui. donc. Après, ça reste un Battlefield, hein. Et toi, tu fais Je l'inverse de dis. moi. Toi, tu découvres plus les jeux sur PS4 que sur la Xbox Oui. One, et moi, l'inverse. Voilà. Pourtant, on a les deux consoles. Ah oui. Ensuite, le Battlefield. Battlefield 1 Révolution. Celui-là, je l'ai pas testé. Mais bon, après, c'est un jeu de guerre, hein. Ouais, puis je crois que c'est Après. avec un contenu en plus dedans, je crois. Oui, je crois. Ouais. Oui, parce que c'est le même, c'est Battlefield 1, quoi. Oui, c'est le Battlefield 1, mais. C'est un peu une version GOTY, quoi, un C'est truc la du genre. version complète, je crois. Au pire, si vous savez dans les commentaires, vous le direz dans les Oui. commentaires. Nous, on sait pas, mais voilà, je pense que ouais, c'est un truc. Mais c'est Battlefield 1, quoi, ça reste Oui. le même jeu. Ensuite, encore un autre Battlefield, c'est Battlefield 4. Celui-là, je l'avais fait sur PS4, mais j'avais joué en ligne. Ça va. Après, ça reste des jeux de guerre, hein, comme les Call of. T'as fait le mode histoire? Non, le 4, j'ai pas fait le mode histoire, j'ai fait que du mode en ligne avec. C'était avec un copain avant. Après, ça reste du jeu de guerre. Hein. Capture de drapeau, tout ça. Ouais, donc ça reste un peu comme le même genre que Call of. Oui. Bon, ensuite, le Call of Duty Infinite Warfare. Celui-là, je l'ai pas fait. Apparemment, il est pas. Il n'est pas Pas terrible, bon. terrible, ouais. Moi, je l'ai pas fait, moi, celui-là. Après, vous pouvez le dire si vous l'avez aimé ou pas. Hein. Oups, Après, pardon, ça excuse-moi. dépend des personnes. Moi, je l'ai pas fait, donc je peux pas vous en dire plus. Oui, moi c'est pareil, je l'ai pas fait, donc Oui. je peux pas savoir s'il est bon ou pas bon. Il y a un mode zombie dedans. Ouais. Vas-y, bah continue. Le Call of Duty Ghost, celui-là, je l'avais commencé sur PS4, celui-là, mais j'avais pas continué. Moi j'ai fait sur 3-6, j'avais fini l'histoire. C'était sympathique l'histoire, par contre Ouais. le online, nul à chier. Oui. J'ai pas aimé le online, mais le mode histoire était assez sympathique et. Voilà, je retournerai pas forcément Ouais. dessus, mais. Ou Ah si, peut-être sur oui. version One, Après, mais. ça peut être bien pour le mode solo, quoi. Ouais, voilà. Après, en ligne, il y a beaucoup de campeurs, tout ça. Bon, ça, j'ai envie de dire sur tous les jeux Oui. online. C'est sûr. Malheureusement. Vas-y, continue. Ensuite, le Destiny, le roi des corrompus. Celui-là, je l'avais fait sur PS4. J'ai bien aimé, franchement, le jeu Destiny. T'as fait l'autre Destiny, le 2 ou un truc comme Ouais, ça? le 2, je l'ai fait aussi sur Sur PS4. PS4? Ouais, je. Ouais. Ça reste Dans dans la la même même. ligne que le 1. Moi j'ai C'est un pas très fait bon jeu, je Destiny. trouve. J'ai les deux, j'ai le 1 et le 2, mais j'ai pas fait. J'allais dire Call of Duty. Non, C'est j'ai pas bien même fait à Destiny. plusieurs, tu sais, avec des amis, Après on en coop. pourra. Il y aura moyen de faire ensemble. Oui. Titanfall, celui-là je l'ai jamais fait. On le fera Titanfall. ensemble! Voilà, on le fera ensemble. On pourra le faire avec l'ami Christo. Le Titanfall, que celui-là je l'ai jamais Il est fait, je pas sais dans pas ce cette que ça donne. vidéo. Voilà, si tu vois la vidéo, Tu pourras le on le faire fera avec nous. ensemble. En plus il l'aime bien. Ouais? Ouais. Ouais. Ouais, il peut être bien. Mais il n'y a plus personne sur les serveurs, donc pour ça il faudra jouer entre amis. Oui. Voilà. Voilà. Il y a des robots, des gros robots. Ouais. Et en plus une exclue de la One. Oui, en plus. Parce qu'il n'est pas sur PS4. Voilà. Bon après je compare la version PC ou truc comme ça. Ensuite, le Sniper Elite 3. Celui-là, je l'ai jamais fait. Je n'ai fait aucun Sniper Elite. Moi Là, j'ai je sais fait plus. le Sniper Elite. Non, Sniper VS. Non, attends. Elite version 2, non? V2? Attends, Elite V2, Sniper Je Elite crois. V2. Sniper Elite Ouais. V2. J'avais fait le Sniper Elite V2 sur 3.6 et d'ailleurs je me prendrais peut-être la version remaster. Ouais. Franchement, celui-là je l'ai pas fait. Mais bon, après c'est dans la même lignée quoi, tu vois un sniper tout au long du jeu quoi, enfin, voilà. Oui. Ouais, et après moi je peux pas dire pour celui-là Oui, mais. après, dites-le dans les commentaires si vous y avez joué ou pas, s'il est bien. Bien, bien, graphiquement. Oui. Ensuite, du coup, hop. Là t'es rendu là. Voilà. Ensuite, il y a le Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Voilà. Ça, c'est le prologue, il me semble. Oui. Je crois que ouais, sa version Oui. DLC. Oh, je sais même plus. Parce Ouais, ça doit être ça. qu'il y a Ouais, deux prologue. versions. J'ai les deux versions d'ailleurs. Ouais. Il y a le Phantom Pain et le Ground Oui. Zero. Mais je crois que ça, c'est la version DLC quoi. Ouais, ça va être Et celui-là. le Phantom Pain, c'est la version normale. Oui, c'est là, Il me oui. semble, hein, si je C'est dis la des version. conneries, vous me corrigerez en Oui, commentaire. voilà. Après, je Mais l'ai pas fait, Metal Gear Solid 5. moi, j'avais testé un petit peu. Ouais. J'avais fait, c'était sur 3-6, je crois. Ouais, c'est sympa, hein, c'est un petit jeu d'infiltration un peu à la Oui. Hitman. Mais voilà, après, c'est pas non plus le gros jeu de ouf. Disons que ça, c'est sympa à jouer quand même. Je vais pas dire c'est de la merde, mais c'est pas non plus le jeu où. Ou moi je passerai mon temps dessus. Je Oui. préfère largement Hitman ou un Splinter Cell. Le Ben 10, celui-là je l'ai testé bah, chez Kevin il Ouais. n'y a pas longtemps. Et franchement, j'ai bien aimé, c'est un jeu sympa.
Des reprises du dessin animé. Oui. Moi Franchement, je l'ai très aussi, bon celui-là. jeu. Je l'ai aussi, et franchement, c'est vrai qu'il est bien. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il l'avait, je lui ai dit, bah vas-y, tu pourras le tester sur ma One, parce que du Voilà. coup, il a l'air vraiment pas mal ce jeu. Oui, Enfin, franchement, il a l'air. Pourquoi je dis il oui. a l'air alors que j'ai joué? Non, je voulais dire, je pense que tu vas aimer. Et il a testé, et franchement, il a bien Ouais, aimé, j'ai bien aimé. il est sympathique. On Bah, prend vite la main. et une bonne. Peggy 18. Ensuite, le Mafia 3. Celui-là, je l'ai fini sur PS4. Pour moi, c'est un très bon jeu, Mafia 3. Ça change des GTA, tout ça. Franchement, le scénario, j'ai bien aimé. Est-ce que quand tu l'as fait, il t'est buggé? Oui. Il y avait des bugs, c'est sûr. Ouais. Après, maintenant, il y a plein de jeux où il y a des bugs. Après, Après, ça m'a pas t'as empêché fait d'aimer le jeu. les deux premiers ou pas? Le 2, j'ai testé, mais le 1, j'ai jamais fait. Le 1, moi je l'avais fait sur la première Xbox il y a longtemps. J'avais bien aimé. Ouais. Le 2, bah c'est mon préféré. Le 3, je trouve qu'il est sympa, mais il y a des trucs qu'ils ont, on va dire, retirés par Ah rapport à la oui. version du 2, Ouais, voilà, qui était fromage. mieux fait. Il y avait des trucs un peu plus réalistes. Je trouvais que c'était mieux fait dans le 2 que dans le 3. Ouais. Notamment l'essence et tout ça. Là, c'est plus du tout réaliste. Tu peux Oui. plus mettre d'essence. Le système aussi d'avoir que deux armes sur soi, je trouvais ça dommage. Parce que du coup, tu devais choisir entre un pompe, une mitraillette et tout Ouais, je ça. me Alors que rappelle. dans le 2, tu peux avoir une douzaine d'armes. Tu pouvais avoir Ah des oui. 3-4 pistolets différents, 3-4 mitraillettes. Tu pouvais avoir la Thompson, tu pouvais avoir plein de trucs. Et c'est vrai que ça, je trouve ça dommage que du coup, ça soit limité dans le 3. D'ailleurs, Ah oui, ouais. il sort au mois d'août, je crois, si je dis pas de conneries, ou je sais plus quand, mais il sort prochainement la trilogie. Il y aura le remake du 1 avec le remaster du 2 et du 3, du coup, qui sort. Donc il y aura une version définitive du 2, et il y aura les 3 qui seront dans la même boîte qui Ouais. sortira en magasin. C'est un jeu de voiture, un jeu de rallye. C'est le WRC5. Voilà. Alors, ça reste un jeu de rallye, hein, comme Tu l'as je pense fait? que tout le monde connaît. Celui-là, ouais, j'avais testé quelques courses. Franchement, ça va. Et t'as trouvé maniable ou pas? Un petit peu, ça dépend. C'est. Moi honnêtement j'ai testé WRC 4 ou 5 ou 6, je sais Ouais. plus lequel. Et honnêtement je trouve que le jeu était vraiment pas maniable du tout. Ouais, tu finis vite dans le décor. Tu finis très très vite dans le décor, j'ai préféré quand même beaucoup Dirt 4. De toute façon les Dirt pour moi c'est une licence de cœur. Je préfère Dirt que WRC. Mais après faudrait que je me laisse plus tenter par les WRC. J'ai le 6 moi, le WRC 6. Donc à voir, je me Oui. laisserai tenter. Après, On verra avec la suite. tu sais pas trop jouer. Ouh, j'aurais pas aimé. Vas-y, continue. Ensuite, le Need for Speed Rivals, c'est la version complète, l'édition complète, avec tous les DLC. Voilà. Très bon jeu de voiture, on peut incarner la police et des pilotes, quoi. Ouais, logique. Voilà, oui, logique de tout jeu de voiture. Mais on peut Ouais. incarner la police, très bon jeu de voiture celui-là, le Need for Speed D'ailleurs, Rivals. celui-là il est sorti sur 3.6 PS3 à la fin Ouais. de vie. Enfin, à la fin de vie. Je veux dire, quand la One et PS4 sont sortis. Il est sorti en fait sur les deux consoles en même temps. Et d'ailleurs, le premier, je veux dire, sur 3.6 PS3 à sortir les flics, si je dis pas de conneries, où tu peux les contrôler, c'était le Hot Pursuit. Hot Pursuit, après le The Run, tu peux pas, je crois. Et après, il y en a un autre, il me semble. Ensuite, un jeu de voiture en open world, c'est le The Crew. Voilà, celui-là, je l'ai fait, mais je l'avais pas fini. On l'avait commencé ensemble d'ailleurs Oui. sur Xbox One, sur ma Xbox Oui, je One, me pas en rappelle, collection des oui. maths. On l'avait commencé C'est ensemble. un très bon jeu de voiture, en open world en plus. Ouais, franchement une bonne licence de Oui. Ubisoft. Moi, j'ai fait le 2 sur PS4, je l'ai fini. J'ai même pas fait le 2 Et encore. c'est un très bon jeu. Bah là, une autre licence Oui. différente, mais quasiment le Voilà. même jeu en open world. C'est le Forza Horizon 2. Bon, bah, le Forza, on présente plus sur la Xbox, hein, tout le monde connaît, je pense. Ouais, ça c'est les Très bon versions jeu de arcade. voiture. Oui, voilà. Moi, j'aime bien, franchement, les Forza Horizon. Je suis plus fan des Forza Horizon que. Motorsport. Ouais. Bah moi c'est le contraire. Ouais, voilà. Parce que je préfère Forza Motorsport, pourquoi? Parce que c'est plus axé simulation. Oui. Donc les moteurs sont un peu plus réalistes et tout Oui, ça. alors que Alors moi, je que suis plutôt arcade. là déjà quand tu vois par exemple qu'une Twingo, bon, j'exagère, Ouais, mais qu'une oui. Twingo va plus vite qu'une Lamborghini. Oui, c'est Non merci, ça oui. m'intéresse pas. Après franchement ça reste du très bon jeu, Oui. franchement Forza Horizon, peu importe lesquels, moi j'ai fait le 1 et le 2, enfin j'ai pas fini mais j'ai fini le 1 l'histoire, j'ai Ouais. fait le 2 la moitié, franchement c'est quand même une très bonne licence, ils sont vraiment excellents.
Là, on passe avec la suite, mais pas vraiment la suite. Un autre Forza, mais Forza Motorsport 6. Voilà. Là, ça reste sur du circuit. Après, c'est un très bon jeu de voiture. Hein. Forza, très bonne licence. Ouais, bah, c'est un très bon jeu de voiture. Oui. Ah si, dans celui-là, ça a été le premier Forza où ils ont rajouté la pluie. Bah, ah, je parle pas dans les Horizons. Ouais. Dans les Motorsports, c'est le premier Forza où ils ont rajouté la pluie et qu'ils ont après rajouté dans le 7 et tout ça. Mais c'est le premier Forza où il y a eu la pluie parce que le 5, le 4 et tout ça, il n'y avait pas la pluie. C'est ce qui manquait, je trouvais ça dommage. Dans le 5, il y a eu la neige, dans le 4 aussi. Ouais, mais il n'y a pas eu la pluie. Mais il n'y a pas eu la pluie et là, du coup, maintenant, il y a la pluie et ça, je trouve ça cool. Vas-y, continue. Donc là, une licence d'ailleurs. Voilà, une licence Xbox. Un petit coucou à l'ami Christo. Voilà. Il comprendra pourquoi. Le Halo 5 Guardian. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Moi non plus. Désolé, Christo. Voilà. Bah, du coup, ouais, voilà, moi je ne l'ai pas fait. Et tu penses que tu vas te le faire ou pas? Après, je pense qu'il nous repousse à faire ce jeu-là, c'est surtout les gigas, quoi, parce qu'il prend énorme. Oui. Mais moi, je le ferai quand même, je pense. Mais ouais, moi, je le ferai quand même. Il faudrait juste que je finisse des jeux pour libérer de l'espace. Mais après, ouais, ça, c'est quand même un jeu qui me tente. Voilà. C'est sûr que c'est pas un jeu qu'on a pris pour rien. Puis oui, Halo, c'est une très bonne licence sur Xbox. Même si celle-là, elle a été très critiquée, qu'elle est pas, c'est pas la meilleure, que pour les fans, c'est pas, voilà, faut quand même tester. Ouais, le 4 a été très mal critiqué et moi, j'ai trouvé quand même assez sympathique. Oui, après, ça c'est pas le meilleur, certes. Moi, j'ai aimé mon préféré, ça reste le Reach et le 3. Ouais. Mais après, voilà, le 4 était quand même sympathique. Oui, après, ça dépend des personnes. Quoi. C'est ça. Faut juger par soi-même. C'est ça. Oui. C'est ça. Vas-y, on va continuer. Ensuite, le Watch Dogs. Voilà, c'est... Le Watch Dogs Assassin's Creed. C'est le mélange chelou. Le Watch Dogs. Je pense que, bah, peut-être tout le monde connaît, je sais pas, mais... Moi, franchement, j'ai bien aimé. Mais celui-là aussi, il a été critiqué. Mais moi, j'ai bien aimé, franchement, le fait de pouvoir hacker, pouvoir s'amuser avec les feux. T'as fait me mettre un doigt dans l'œil, je vais remettre le feu. Encore un jeu Ubisoft, c'est le Assassin's Creed Syndicate. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Bah là, en ce moment, depuis que Kevin m'avait passé le Unity, bah, il a commencé de le faire. Ouais. T'as dit que t'étais au chapitre 3, c'est ça? Ouais, au chapitre 3. Bah, plus tard, je me ferai celui-là, le Assassin's Creed Syndicate, pour voir qu'est-ce qu'il donne. S'il est bien ou pas. Celui-là, par exemple, il l'avait pas dans l'autre vidéo, donc je vous la mettrai dans la description pour aller voir l'ancienne vidéo. Justement, il n'y avait pas celui-là, il l'avait pas dans sa collection. Donc du coup, comme ça, vous pourrez voir un peu les différences entre les deux, ce qu'il a pu et ce qu'il a actuellement de nouveau, quoi. Qu'il n'avait pas dans l'autre vidéo. Puis ouais, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire pourvu quel est le Assassin's Creed que vous préférez. Exactement. Voilà, sur toute console confondue. Ouais, plutôt con ou fondu? Fondu. On va continuer avec le Dead Rising 4. Voilà. Une licence que vous autres personnes connaissent aussi, je pense, sur Xbox. Ouais. Par contre, le 4 a été très mal critiqué par pas mal de personnes. Ouais, par la critique un peu, genre jeuxvideo.com et tout. Moi, perso, je l'ai pas fait, donc je peux pas donner mon avis, je peux pas dire s'il est bien ou pas. J'ai fait le 3 que j'ai trouvé très bon. Le 2 et le 1, pour moi, bah, je les aime. Le 4... Pardon. Bien joué. Ça on garde. Ça. Voilà. Non, du coup, ouais. Fait par Capcom. Il vaut réellement. Mais je pense qu'il y a moyen que j'apprécie le jeu. Je dirais pas que je serais fan. Oui. Mais il y a moyen que j'apprécie le jeu. Parce que du coup, bah, j'apprécie le jeu. On va continuer avec le The Evil Within. Donc Wolfenstein. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai mis la jaquette réversible parce que je la trouvais mieux en rouge. Je trouve que ça donne bien en fait avec le personnage et l'église derrière. Et en fait, du coup, si j'appelle ça Wolfenstein, c'est parce que ça me fait penser un peu à cause de la jaquette et tout ça. Le rouge. C'est dommage qu'ils aient pas mis le petit Peggy et tout ça en bas. Enfin. Oui, comme vous pouvez voir, c'est vraiment The Evil Within. Ouais. c'est pas une blague. Oui. Voilà. De toute façon, pour ceux qui l'ont, vous avez juste à vérifier votre jaquette, vous verrez bien que ce soit sur PS4 ou Xbox. Puis je l'ai testé chez Kevin. Oui, il a commencé sur ma console. Oui. On est au chapitre 3. C'est un bon jeu. Mais il avait déjà testé sur 3.6, mais il avait pris à la moitié au chapitre. Si. Pardon. Il l'avait pris au chapitre 6. Du coup, ouais, il l'avait gardé au chapitre 6. Il l'avait testé au chapitre 6. Oui. Et du coup, il n'avait pas vraiment compris. Du coup, là, j'ai laissé recommencer sur ma One directement au chapitre. Et là, j'étais au chapitre 3. C'est bien, Guillaume.
J'appelle Guillaume, c'est pour l'embêter. Voilà. Du coup, le dernier jeu, c'est le murder. le Murderhead, c'est le suspect. Voilà, la version limitée. Voilà. Édition limitée. Donc il y a. Moi je l'ai pas fait, mais toi je sais que tu l'as fait. Oui. Celui-là. Je l'ai fait, je l'ai bien aimé. Ouais. Un très bon jeu. Mille jeux faciles. Pareil pour le platine. Et franchement, ouais, c'est un jeu que je vous recommande sur n'importe quelle console. Même PS3 3.6, hein, il y est. D'ailleurs, je me l'étais racheté plus tard après la One, je me l'étais refait sur 3.6. Et honnêtement, c'est un très très bon jeu. D'ailleurs, faut vraiment que tu le fasses. Oui. Parce que... Square Enix. Ouais, Square Enix d'ailleurs. Ouais. Square Enix. Vous pouvez pas comprendre pourquoi on dit Square Enix, mais oui. Nous on s'est compris. Donc, je te laisse faire la fin. Ouais. Tu te démerdes ? Vas-y, démerde-toi. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu de ma collection Xbox One. Et on se dit à une prochaine fois. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça fera plaisir. Ouais. Et voilà. Quoi d'autre ? Hein ? De s'abonner, de partager. Ouais, de s'abonner à la chaîne. Partager voilà. Avec vos amis, votre famille. Obligé. Ouais. Sinon, je repars. Non, ouais, voilà, non, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, c'est de la plaisanterie. Tu voulais faire sérieusement? Non, bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon, comme vous avez pu voir, peut-être que Jérôme n'était pas très à l'aise pour certains jeux et tout, parce que il a moins l'habitude que moi et tout. Voilà. Donc, il a fait du mieux qu'il pouvait. Oui. Donc, au niveau de ça, je vous demanderai d'être un peu indulgent. Après, je suis quand même un peu à l'aise. Oui, voilà, il est à l'aise, il arrive comparé à ce que, voilà. Au tout début, je me rappelle, la première, on vous mettra un petit extrait, au pire, au tout début, où il était complètement timide, il était ouais, loin là-bas, ouais, il était... J'étais à l'arrière, t'étais en train de regarder, t'étais... Oui, qu'est-ce qui se passe ? Honnêtement, il a vraiment fait du progrès, mais bon, après, oui. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas tourné ensemble, donc du coup... C'est vrai qu'il a perdu un peu l'habitude, donc du coup, au niveau de ça, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent, de ne pas dire par exemple oh, Guillaume, non, Jérôme. Du coup, Jérôme, soit par exemple, il parle pas fort, ouais, voilà. Ou par exemple, il. Oui, des fois, j'ai l'impression que je parle fort, mais. Ouais, il parle pas forcément fort, c'est pour ça que je lui dis vas-y, mais parle plus oui. Fort. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que ça fait. Oh. Voilà, mais moi aussi maintenant je suis en train de bugger. Voilà, du coup, je sais plus parler. Bon, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, à vous abonner et à liker si vous avez envie, à partager. Et puis, du coup, la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera parce que j'en ai tourné plusieurs pour être tranquille. Donc, du coup, il y en a plusieurs qui sont en attente. Et je verrai dans lesquels ordres je les sors. Donc, du coup, il y a 3 vidéos collection qui vont arriver, la vidéo collection PS4 de Christo, celle de Guillaume. Et ma collection PSP, il y a plusieurs, je sais pas si les autres sortiront avant ou pas, enfin je sais pas dans quelle heure je sortirai ça, mais voilà, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à regarder la chaîne, à activer la cloche surtout de notification, oui, parce que comme ça vous pourrez pas manquer les nouvelles notifications de vidéos, et du coup je vous dis à la prochaine, salut. Salut.